L'homme, depuis toujours, a cherché à se repérer dans le temps et a commencé à s'appuyer sur les cycles naturels qu'il pouvait constater. Bien sûr, le cycle du jour, tout premier. Et ensuite, sur la Lune, car tout le monde voit la Lune. Donc on peut, entre tribus, parler de la Lune. Et ensuite, il s'est appuyé sur un troisième cycle qu'il a constaté, c'est celui des saisons. Ça lui permettait d'apprécier le nombre d'années. Quand l'homme a commencé à se sédentariser, quand l'agriculture s'est développée, il a fallu caler un petit peu ses cycles. Or, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de relation rationnelle entre ces cycles. Une année tropique, c'est-à-dire un cycle de saison, ça dure un petit peu plus de 12 lunes. Une lune elle-même dure parfois 29, parfois 30 jours. Donc, il a fallu créer des conventions sur ce sujet. Et ces conventions, ce sont des religieux, des prêtres qui les ont tenues. C'est comme ça que sont nés les calendriers. Un calendrier, en somme, c'est un glossaire pour désigner les différentes unités de temps, mais c'est aussi une autorité pour les imposer à l'ensemble du peuple. Alors, deux grands types de calendriers se sont développés. Les calendriers lunisolaires, c'est-à-dire les calendriers les plus naturels, on compte les lunaisons, et de temps en temps, eh bien, il faut intercaler, c'est-à-dire mettre un mois supplémentaire pour pouvoir se retrouver dans le cycle des saisons. Toutes les civilisations connues ont développé des calendriers lunisolaires, et notamment dans le bassin méditerranéen. Voilà la grande lunette de Camille Flammarion, notre fondateur de la Société Astronomique de France. Une belle lunette de 240 mm de diamètre. Un instrument d'exception. Déjà à l'époque, Flammarion doit s'entourer d'observateurs parmi les meilleurs de son époque, notamment Ferdinand Quénisset et Eugène Antoniadi, qui viennent ici observer nuit après nuit la planète Mars notamment, et la Lune bien entendu. Les Grecs ont beaucoup développé le calendrier lunisolaire et sont arrivés à la conclusion qu'il fallait utiliser un cycle qui est assez connu des scientifiques sous le nom de cycle de Méton. C'est probablement l'astronome grec Méton qui l'a imposé à Athènes. C'est un cycle de 19 ans au bout desquels 235 lunaisons se sont produites et où on se retrouve au même moment du cycle des saisons. Et donc, il suffisait d'aligner le cycle des mois lunaires dans ces 19 années pour se retrouver au même point. Mais un peuple particulier qui avait beaucoup développé l'agriculture et pour qui l'agriculture était vraiment un enjeu très fort, l'Égypte, a développé le premier calendrier solaire. C'est un calendrier dans lequel les mois ne sont plus les lunes. Les mois, ce sont simplement des divisions régulières de l'année solaire, de l'année tropique, c'est-à-dire du cycle des saisons. Un siècle avant Jésus-Christ, il existait un certain Jules César. Il était Pontifex Maximus. C'était le chef des pontifes. Quand il a eu franchi le Rubicon et qu'il est allé à la conquête du pouvoir, il a été amené en Égypte, où il était à la poursuite de Pompée. Là, l'histoire retient qu'il a connu la belle Cléopâtre. Mais il a aussi découvert le calendrier solaire et il a décidé de le mettre en place à Rome. Et il a fait ça en moins de 2 ans, ce qui est tout à fait remarquable pour cette époque.
il a demandé à Sosigène de modifier la longueur des mois traditionnels romains de façon à former 12 mois solaires. Et sa réforme a été promulguée le 1er janvier de l'an 45 avant Jésus-Christ. C'était le premier jour de la première année solaire romaine. Alors voici donc le télescope d'Eugène Antoniadi qui vient observer de manière extrêmement régulière ici. Donc grâce au télescope d'Antoniadi, Ferdinand Quénisset, Camille Flammarion vont pouvoir observer nuit après nuit la Lune, Mars, les planètes du système solaire et comparer le résultat entre le télescope et la grande lunette. Et en fait, le télescope se révèle un petit peu meilleur que la grande lunette. Et donc on va observer ce soir la Lune avec le télescope d'Antoniadi qui est un instrument magnifique. Quelques siècles plus tard, quand les chrétiens sont devenus non seulement une religion autorisée, mais même la religion officielle de l'Empire, s'est posée la question de la célébration de Pâques. Pâques, dans un calendrier lunisolaire, c'est très simple. C'est le 14 d'Isan, c'est le 14 du mois de l'équinoxe de printemps. Ça, c'est facile dans un calendrier lunisolaire, mais quand on est dans un calendrier solaire, les mois ne sont plus du tout lunaires et il faut retrouver comment calculer la Lune dans le cycle des saisons. Au Concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ, il y a eu des discussions et on a fini par décider que Pâques d'abord tomberait toujours un dimanche, ce qui n'était pas du tout évident. On voulait faire tomber Pâques le jour même de la pleine Lune. Eh bien, on a dit que Pâques tomberait toujours le dimanche et le dimanche devait suivre la pleine lune, c'est-à-dire le 14e jour de lune qui tombait à l'équinoxe, soit le 21 mars, soit juste après. Deux siècles plus tard, Rome a demandé à un moine, Denis le Petit, d'établir une règle de calcul de la date de Pâques. Et il a proposé un mode de calcul précis qui était encore une fois fondé sur ce fameux cycle de 19 ans, le cycle de Méton. Au bout de 19 ans, on s'est retrouvé la même date de la pleine lune qu'on appelle Pascal, la pleine lune de printemps. Et il suffit après de calculer le dimanche qui suit. L'Église orthodoxe, pour calculer la date de Pâques, s'est appuyée sur des tables pascales de Denis le Petit. Les tables pascales, ce sont tout simplement des tables qui disent, pour une année, à quel moment tombe la date de Pâques. Ces tables ont un petit inconvénient, c'est qu'elles ne tiennent pas compte d'une petite dérive du mouvement de la Lune qui a été détectée par notamment l'astronome Hipparque au second siècle avant Jésus-Christ, et qui exige une correction à peu près tous les 308 ans, 312 ans. Et donc il y a en effet un petit écart entre la pleine lune calculée par les tables pascales et la position réelle de la lune. Et donc cela fait que pour le calendrier julien, les équinoxes ont continué de dériver. Et aujourd'hui, l'équinoxe de printemps arrive à peu près le 5 ou 10 avril. Et donc, la date de Pâques orthodoxe est reculée d'autant, au moins. Rome s'est inquiétée de cette dérive et ne souhaitait pas que la date de Pâques coïncide avec l'été. On a demandé à des astronomes de réfléchir à une réforme du calendrier afin que la règle du Concile de Nicée reste la même. Et des astronomes ont proposé finalement d'éliminer une dizaine de dates à l'époque. Et c'est ce qui a été fait en octobre 1582. Il a suffi de dire que de temps en temps, une année qui aurait dû être bissextile ne serait pas bissextile. Alors ce sont les années de 100, notamment 1700, 1800
et 1900 n'ont pas été bissextiles. En revanche, 2000 l'a été, car 2000 est une année multiple de 400. Et donc, telle est la nouvelle règle proposée pour le calendrier grégorien. Αληθώς Ανέστη. C'est le dimanche de Pâques, aujourd'hui orthodoxe, et nous sommes ici à la bibliothèque de l'Institut français d'études byzantines. Merci de nous accueillir ici avec tous ces livres. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vous montrer ces livres qui nous servent généralement à des études scientifiques et auxquelles d'ailleurs vous participez vous-même souvent. Oui, nous avons besoin de ces livres. Parce que cette année, il y a un grand décalage entre la date de Pâques occidentale. Les chrétiens occidentaux ont fêté Pâques le 4 avril dernier, et nous, les orthodoxes, fêtons Pâques en ce dimanche 2 mai. Pourtant, nous devrions théoriquement fêter Pâques le même jour, puisque c'est le premier concile œcuménique, Nicée, l'an 325, qui a fixé la manière de calculer la date de Pâques. Le premier dimanche, après la pleine lune après l'équinoxe du printemps. Alors c'est intéressant, c'est que le Concile de Nicée n'a pas fait référence ni à la Pâque juive, ni au calendrier juif, ni au calendrier julien qui était à l'époque en utilisation partout dans l'Empire romain, mais a fait référence à des moments astronomiques. L'équinoxe du printemps, c'est-à-dire c'est le jour de l'année où la journée est aussi longue que la nuit. C'est quelque chose que l'on peut observer de nos yeux. De même, la lunaison, la pleine lune, c'est quelque chose qui apparaît dans le ciel et que l'on peut observer. Et donc théoriquement, tous les chrétiens devraient fêter Pâques le même jour. Alors pourquoi nous, les orthodoxes, fêtons Pâques avec un mois de décalage ? La première raison, c'est que tout d'abord, les Occidentaux utilisent le calendrier grégorien qui a été diffusé partout dans le monde à partir de la réforme du pape Grégoire au XVIe siècle. Ça s'est répandu tout doucement, parce que dans certains pays comme l'Angleterre, on l'a adopté très récemment au début du XXe siècle. Et de même, dans les pays orthodoxes, pour le calendrier civil, ce calendrier a été adopté qu'au début du XXe siècle. Mais sinon, l'Église orthodoxe continue d'utiliser le calendrier julien, qui a actuellement 13 jours de décalage par rapport au calendrier grégorien. Mais c'est encore plus compliqué, et c'est là que nous avons besoin de tous ces livres, parce qu'en fait, l'Église orthodoxe, pour les lunaisons, n'utilise pas les données astronomiques d'aujourd'hui, mais utilise des tables de Pascali que l'on trouve dans des manuscrits. Alors, vous avez été très gentil ici, vous nous avez amené, sorti de la réserve, ce magnifique manuscrit. Pourriez-vous en dire quelques mots ? C'est un manuscrit qui date de 1672. Ce manuscrit est un homocanon, donc il y a toutes sortes de choses qui règlent la vie de l'Église, voilà, exactement. Et puis, entre autres, nous avons aussi une table pascale pour la détermination de la date de Pâques pour chaque année. Ce sont des calendriers perpétuels. Alors, les savants byzantinistes se sont penchés sur ces questions de chronologie, car pour dater les textes en particulier, nous avons besoin de reconnaître selon quel calendrier ils ont été datés. C'est dit comme ça, ça paraît simple, mais en fait, c'est un des aspects les plus compliqués des études byzantines. Un de ces savants, Venance Grumel, était un père assomptionniste qui lui-même était membre de l'Institut français voilà. d'études byzantines. Donc c'est quelqu'un de la maison, pour quelqu'un dire. De la maison. Il est décédé en 1967. Mais entre autres, parmi ses écrits importants, il a publié également
vraiment, c'est le livre de référence avec toutes les indications pour retrouver tous ces calendriers et les faire correspondre. Et lui aussi, il a repris ce tableau. Voilà, ici, donc à la page 311 de la chronologie de Grumel, nous avons ce même tableau du manuscrit de Liefebvre 33. Comme on peut le voir, on a en une demi-page toutes les dates de Pâques possibles. Alors le problème, et c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que les dates qui sont prises en compte pour les lunaisons ont un décalage par rapport à la réalité astronomique. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que même si théoriquement on devrait fêter Pâques ensemble, ce qui arrive quand même, que les catholiques et les orthodoxes fêtent la Pâques ensemble, parfois il peut se produire un décalage d'une semaine, tout simplement parce que la date qui est calculée d'après les lunaisons qui ont pris du retard, est en décalage par rapport à la réalité astronomique. Alors, ici, on peut s'amuser à retrouver, grâce à ce tableau, la date de Pâques. C'est tout un tour de passe-passe. Il faut tout d'abord savoir en quelle année on est, non pas 2021, après la naissance du Christ, mais selon l'année depuis la création du monde, d'après le compute byzantin. Qui nous oblige à ajouter 5508 années à l'année évidemment en cours. Et donc, si on ajoute 5508 années à 2021, nous sommes donc cette année en 7529. Et donc, pour déterminer la date de Pâques, nous devons retrouver l'année du cycle lunaire et l'année du cycle solaire. Pour trouver l'année du cycle lunaire, il faut diviser l'année 7529 par 19 et prendre le reste. Donc comme il nous reste 5, eh bien la date de Pâques sera quelque part sur la ligne 5. Et il nous faut déterminer l'année du cycle solaire. Pour ce faire, il faut diviser l'année 7529 du compute byzantin par 28 et prendre le reste. Il nous reste 25. Et donc, quelque part, 25 est ici. Donc, si on est à 25 à la ligne de 5, eh bien, cela nous amène au 19 avril du calendrier julien. Et donc, si on ajoute 13 jours, eh bien, ça nous donne effectivement le 2 mai du calendrier grégorien. La question du calendrier et comme conséquence de la date de Pâques est une question effectivement très récurrente et même forte dans l'Église orthodoxe et en particulier dans nos milieux occidentaux où on est en contact avec le monde catholique. Pourquoi les orthodoxes restent dans cette situation, sachant que le calendrier julien retarde par rapport à la nature? Alors, les réponses sont multiples. Moi, je pense qu'on a peur de changer la tradition. Il y a eu des changements de la tradition, donc en Russie en particulier, la réforme nikonienne, qui a été une catastrophe. Alors cette réforme, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Nikon, il était né métropolite de Moscou à son époque. On voyait qu'il y avait un certain nombre de textes, par exemple, qui n'étaient pas corrects. C'était des textes qui étaient recopiés à la main et il y avait des erreurs. Et il y a aussi des usages populaires qui avaient évolué avec le temps en Russie. Et donc le métropolite Nikon a voulu corriger ces éléments. Il l'a fait de façon un peu autoritaire.
Et ça a créé une scission dans l'Église russe. Il y a les vieux croyants qui sont restés fidèles à une certaine, à la tradition ancienne, à l'usage ancien, je dirais. Donc il y a cette crainte dans beaucoup d'églises. Si j'impose une modification du calendrier, il y aura des scissions. Les orthodoxes posent cette question, que faire pour que les catholiques, les orthodoxes et tous les chrétiens fêtent Pâques le même jour? La première chose qu'il faut faire, il faut expliquer aux gens quelle est la réalité de ces histoires de calendrier. La deuxième chose, ça va faire un peu sourire, mais il faut regarder la création, il faut regarder la pleine lune. Alors ça, bon, c'est petit, mais bon, ça fait prendre conscience aux gens que ce n'est pas des livres, ce n'est pas des calendriers, alors qu'ils sont souvent le calendrier perpétuel, il est à la fin de livres liturgiques vénérables. Alors on a l'impression que c'est... Eh bien non, là, ce qui est encore plus vénérable, c'est la création de Dieu, et c'est ça qu'il faut regarder. Christe, ascam prati, si qui
Voskres.